Salut et bonjour, salam à tout le monde. Salut et salam, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de Basso 06300 au sujet du premier de l'an à Nice, quartier de l'Ariane, où il y a eu beaucoup de feux d'artifice, énormément, et des petits incidents entre des jeunes et des forces de l'ordre. Il a tout filmé Basso dans sa story, et après je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Salut et bonjour, salam à tout le monde, j'espère que vous allez passer une très bonne année, une bonne fin d'année, on est ensemble, il me semble. Je suis entouré de tous mes amis là, mais vrai, il y a Ahmed, le grand Ahmed, et le petit Ahmed, Ilia, Lapama Ragnar, Imed, et mon ami, aïe, voilà, c'est un monstre. Aujourd'hui, oh là là, bonne année Ntia, hein, mon ami. Et voilà, il va déguster mon ami, il est là dans les bons rendez-vous. Il a dit à Sapa, il va là-bas. T'as cru, il a fait comme les Arabes, il a dit à Sapa, il va là-bas. La femme là-bas ne revient plus. Ah, il a envoyé sa femme dans la cuisine. Voilà que t'es un bâtard. Hein? T'es un bâtard. Oh Bianchi, elle est où ta femme, ta couille? Avec les pommes. Ahmed, Bianchi c'est un arbre. Les amis, ça part vraiment en couille à l'Ariane. Waouh. Les Schmitt, ils vont faire les courses, quoi. Voilà. Oh là là, c'est chaud. Les inspecteurs, les Schmitt. On est ensemble, il me semble. Hein. Bonne année à tout le monde. Bonne année, mon roi Ragnar. Tu as fêté ton année. Bonne année, Ragnar. Bonne année. Allez, vas-y. Je suis le roi des animaux. Beyrouth-Titi. Et bonne année à tout le monde. De qui on dirait. Bonne année les amis, de nouvelles résolutions. La santé c'est le plus important. Bonne année! Bonne année! Les amis, Mayday, Poslop! Bonne année! Le bonne année!
rien on peut avec mon ami Ragnar. Bonne année. Ça a gazé, putain! Les bitons! Ça a gazé, bah! Oh, attends! On a gazé ça! Oh là, ça a gazé, voilà! Regardez, je pleure, voilà! Ah, pourquoi on est allé là-bas, voilà! Ça part en couille, voilà, je te fais gazer, j'accouche de toi. Voilà, je te fais gazer, j'accouche voilà. De toi, frigo. Ah, c'est un truc de fou, voilà. Voilà, oh, okay. Oh. Ici, c'est noir. Là, on est dans les noirs. C'est les orclairs, les amis. Mais des fausses, c'est un fonction pour Charlie, on a besoin de renfort sur les orclairs. Plusieurs individus cagoulés. On fait tous les secteurs, les amis. On fait tous les secteurs, vous imaginez pas le nombre de secteurs qu'il y a dans ce quartier, les amis. Là, c'est Chicago, là. Là, ils sont montés à Chicago. Ah, c'est le plus chaud. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ils ont fermé là-bas, ils l'ont bouché, voilà, ils l'ont fermé. Mets des poissons. Quand on se demande de renfort sur Central Charlie, on a fermé la tour. On a fermé la tour en direction de Boulevard. Bassou. Eh ouais, on s'est gazé et on les gaz. Ça part en couille, vraiment. On est là. Vous êtes là? Et eux, là-bas, ils sont là ou pas? C'est pas bien, les jeunes. Restez tranquilles, s'il vous plaît. Oh, on peut passer, on est bloqué là. Ils mettent n'importe qui. Il y a des parents, il y a des mères de famille. C'est... Qu'est-ce que vous en pensez, chef? J'en pense rien. T'en penses rien? Mais ils ont bloqué la route. Oh, il y a plein de gazeuses là. C'est un truc de fou. Vas-y, il y a plein de gazeuses. On y va. Ilia, tu fais quoi toi là? Allez, faut rentrer à la maison, s'il te plaît. Je fais le commère, moi. Mais quel commère? Faut rentrer là, ça tire, c'est, tu vas te prendre un mortier dans la tête. Rentre à la maison. Il n'y a pas de travail là, t'es en vacances, vas-y. Allez, regarde Bagdor avec la barbe là. Ils vont le prendre de la barbe à lui. Voilà, en plein feu de la gueule. Voilà la police juste là. Voilà, ça nique tous les frères. Voilà, c'est là que ça se passe. Voilà. On voit du 50. Oh, il y a tout la police là. Les amis, prenez exemple un peu sur Saint-André. Faites pas comme l'Ariane. Regardez, à Saint-André, il n'y a rien eu. Voilà les quartiers chics, comment ça se passe. Je vais habiter à Saint-André, moi. Regardez, c'est tout propre. C'est pas comme la reine, il n'y a pas un flic qui tourne dans la rue, il n'y a rien. Les routes, ils sont neufs. Franchement, regardez. Là, il y a des tours aussi, c'est Saint-André. C'est propre. Ils ont fêté ça tranquille. Les amis. On était à Saint-André, c'était tout propre. Regardez l'Ariane. Regardez les scooters dans la rue. Tu me fais rire, on dirait reporter. Regardez les... Ouais, voilà, il faut faire ça un peu.
Avance un peu. Avance. Regardez les poubelles. Mais à la base, c'est pour le tri, ça. Mais... Les tri sélectifs. Il y a plus de tri sélectif, là. Les amis. On est où, là? Chicago. Wallah, je suis pas un tueur, Ahmed. Regarde. Ils ont brûlé des voitures. Regarde. Toutes les chutes qu'il y a eu, là. Les amis. On était à cet endroit, c'était tout propre. Regardez l'Ariane. Regardez les scooters dans la rue. Tu me fais rire, on dirait reporter. Regardez les... Ouais, voilà, il faut faire ça un peu. Avance un peu. Avance. Regardez les poubelles. Mais à la base, c'est pour le tri, ça. Franchement, regardez. C'est le dixième, là. Il y a tous ces camions, ils arrivent encore. On est des reporters ce soir, Ahmed. Ah, ce soir, quoi, ça me... Ce soir, on est des journalistes. Hein. Comment il s'appelle, celui-là, dans la réunion? Peter Parker. Peter non, Parker. Claire Chazal. Mais non, Peter Parker, dit la réunion. Toi, tu faisais la capoeira à la réunion. Eh ouais, tu te rappelles quand tu me faisais rire, tu me voulais me faire rire, tu faisais la réunion, tu embêtais James. Ah ouais. Qu'est-ce que j'ai rigolé ce soir-là? Voilà, Bassam, tu m'as tué. Voilà. Oh, Ahmed, c'est quoi tout ce camion de Schmitt, frigo? C'est ça, c'est la prime, ta couille. Et, je crois peut-être 500 euros la nuit ou 300 balles la nuit. Mais non. Mais je viens du bout de la France pour donner la prime. Tiens. Tiens. Et maintenant, on passe à la story de n'importe qui, c'est vraiment n'importe qui, 06 de la team Bassou. Les amis, le prochain, c'est parti, on va le mettre en place. On y va, on y va. Qu'est-ce qui se passe, Bassam, là? Mayday, mayday, bosso, bosso. Il est 57. Allez, on est dans le Bassou, il est filmé normal, comme ça. On est en plein milieu là. Ahmed, il y a les flics de partout là, c'est le bordel. Oh là là. C'est... Je regarde ça comme ça, moi. C'est un jeu entre la police et les jeunes. Ah, mais... C'est un truc de fou. Je crois que c'est... On dirait que c'est un jeu. C'est ça. Dites-moi la vérité. Je me trompe ou quoi? Quand je regarde ça, je sais pas. Alors les autres, ils mettent un feu, ils se mettent à cavaler comme des lapins. C'est un truc de fou. Moi, ça me... c'est... on dirait qu'il n'y a pas de méchanceté. C'est de l'énergie qui se balade. J'ai pas compris, mais il n'y a rien de méchant en réalité, ni de vous, ni de leur part. Je sais pas, il doit... Bon, après moi, je sais pas, j'écoute la télé, je constate dans la rue à peine. Après, les gars, bon courage. Merci. Allez, bonne et heureuse année, vœux de bonheur, de réussite, et tout ce qu'il faut. Ciao, bonne année. Hey, normalement, si vous êtes là, vous avez droit à la prime. Hein. Eh oui, vous êtes payé double, non? Eh oui, l'équipe, la prime. Il y a la prime de risque aussi. Hein. Non, il n'y a rien. Il n'y a pas de prime de risque? Oui. Non mais je on voit. Donc là non, c'est bon, on voit pas leur tête de toute manière, ils sont cagoulés.
Et dans la story de Bassou, il y en a un, on voit sa tête, je l'ai flouté justement pour pas. Donc voilà les amis, c'était la story de Bassou 06300 sur Snap. Donc influenceur, humoriste de Nice avec toute sa team composée de n'importe qui, Ragnar, etc. Il y a beaucoup de monde aussi à l'Ariane. À savoir que l'Ariane, ouais, comme ils ont dit, c'est un grand quartier. À la base, ça faisait 20 000 habitants, en fait. Une ville excentrée, on va dire. Une ville autour de la ville. 20 000 habitants, et avec les démolitions, les destructions, tout ça, de bars, de tours, c'est descendu à 12 000 habitants. 12 000 habitants. Donc, là où il y a eu les incidents, c'est à Chicago. En général, c'est à Chicago où il y a le plus d'incidents, tout ça. Et voilà, et eux, ils sont, on va dire, à la frontière côté Beyrouth. Voilà, il y a d'autres sous-secteurs, on va dire, d'autres quartiers dans le quartier. Voilà, d'autres quartiers, il y a quartiers, communautés, tout ça. Il y a beaucoup de rebeux marocains, tunisiens, algériens et beaucoup de gitans aussi, des renois. Donc, c'est vrai que c'est une ville dans la ville, c'est une ville dans la ville, certes. Les routes sont un peu défoncées, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait améliorer dans ces quartiers. Et encore, c'est pas qu'un quartier seul, on va dire, l'Ariane. Il y a des sous-quartiers dedans, mais à côté, il y a le 328. Après, il y a Bon Voyage, les tours de Bon Voyage, tout ça, Roquebilière, Saint-Charles, Saint-Roch, Pasteur, rien qu'à côté. Rien que dans la zone, à côté de l'Ariane, il y a beaucoup de quartiers aussi. Et j'en oublie d'autres vers Riquier, tout ça. Donc, beaucoup de feux d'artifice, franchement, impressionnant. Après les incidents, il y a eu pire, on va dire, il y a eu pire. En tout cas, beaucoup de feux d'artifice. Donc, après, l'Ariane, c'est le plus grand quartier, on va dire, de Nice, on va dire, c'est pour ça aussi. C'est le plus, sans compter Roquebilière, 328, Bon Voyage, tout ça. Sans compter les autres secteurs à côté. Après, il y a Nice Nord, Les Moulins, même Nice Centre aussi, côté Vernier, Trachel, Pertinax, Rue de Suisse, tout ça au centre. Donc voilà, donc bonne année à tous ceux qui fêtent la bonne année. Parce qu'on ne sait jamais si ils ne fêtent pas la bonne année. Ils vont me dire, Madgolini, j'ai une bonne année. Ouais, vous vous souvenez de cette vidéo? En fait, le gars, il a cru que bonne année, ça veut dire une insulte. Comme un bonne âne. Parce que souvent, ils mettent un « et » en Algérie. Comme « botte »,« beauté ». Bonne année, il a cru que c'était qu'on lui a dit bonne âne. Donc voilà, bonne année à ceux qui fêtent la bonne année. Après, oui, parce que certains estiment que c'est pas une fête musulmane, après c'est d'autres débats. Voilà, après faut-il souhaiter ou pas souhaiter? On peut souhaiter, je pense. Il y a des débats entre théologiens, pas tout le monde est d'accord. Il y en a qui disent on ne doit pas souhaiter bonne fête. Il y en a qui disent on peut souhaiter bonne fête si on n'adhère pas à la religion de l'autre, tout ça. Ou lui souhaiter de bonnes festivités. Voilà, donc c'était la story de Bassou 06300 à Beyrouth, en direct de Beyrouth et de Chicago. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB de premier sur les actus et les journalistes de terrain. Lol. Mais je viens du bout de la France pour vous donner de la prime.